Balance, nous allons voir maintenant donc la parole des oracles en ce mois de juillet pour vous, qui vient à vous. Et nous allons commencer par l'énergie générale qui va vous accompagner. Alors, l'énergie extérieure, hein, celle que la vie vous envoie. La vie décide que ce mois-ci, eh bien, il y aura l'énergie suivante. Ouf, le battleur. Waouh. Magnifique carte. Nouveau chemin, nouvelle annonce, nouvelle vie. Mais attention, le battleur est une carte particulière parce que s'il parle de nouveauté, il parle aussi de toute son expérience. La signification de la carte du battleur, c'est qu'il a tout sur la table. Il a les épées, il a les coupes, il a les deniers et le bâton dans sa main. Si vous regardez vraiment bien cette carte, vous voyez que ses pieds, un pied est tourné vers l'avenir et un pied est tourné vers le passé. Et je vous dirais même que dans le vrai dessin de la tarologie de Marseille, le battleur forme un chiffre 4 avec ses jambes qui rappelle l'empereur décisionnaire et ensuite donc vraiment le bon positionnement. Le battleur, qui est la carte 1, ça n'est jamais neutre, eh bien est en passe de passer de ses expériences passées qui sont sur sa table à un futur qu'il va décider. Alors dans le battleur, il y a toujours cette idée, je ne jette pas tout, j'ai encore un regard vers le passé, je repense à tout ce que j'ai vécu, à mes expériences, j'en fais véritablement quelque chose d'important, mais je sais que je suis déjà tournée par ma main ici qui tient le bâton de direction, les actions, le feu, la passion vers l'avenir. Très belle carte, ami Balance, très belle carte pour vous en ce mois de juillet. Alors, nous allons rentrer dans le détail de cette lecture qui danse. Alors, si nous regardons déjà globalement, donc les cartes qui sont venues à vous, les arcanes qui sont venues à vous, nous constatons qu'il y a un arcane majeur, et pas des moindres, le chariot. Un arcane de victoire. Bien. Nous commençons à analyser cette lecture par les énergies qui seront en vous, là, au début de ce mois de juillet. Nous avons le 6 de coupe et donc le chariot, arcane majeur numéro 7. Allez, le 6 de coupe, comme tous les 6, indique l'idée d'un choix à faire. Donc, il y a des choix à faire, mais un choix comment? Un choix dans l'amour. Voilà. Le 6 de coupe, c'est un choix amoureux. Ça, c'est une évidence. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début du mois, vous êtes dans un positionnement de choisir une voie en amour. Alors, soit vous êtes célibataire et vous choisissez, vous dites maintenant, ça suffit, je veux faire une rencontre. Ok. Soit vous êtes en couple et vous dites, ben, maintenant, on va aller plus loin, on va peut-être faire un enfant, on va acheter une maison ensemble ou bien... Vous êtes en couple, mais vous n'habitez pas ensemble, on va le faire. Il y a dans ce 6 de coupe et ce chariot qui vient, on va le voir, une idée de choix dans l'amour extrêmement positive. Donc évidemment, on ne parle pas de séparation, c'est une évidence. Le 7, l'arcane 7, le chariot, c'est une carte de grande victoire, mais attention, c'est une carte où l'on fonce droit devant. C'est ça qu'il faut comprendre. Le chariot, c'est le militaire qui met les chevaux au galop et qui y va, cataclope, cataclope. Donc, en début de mois, ça, ce sont les énergies qui sont en vous, au début du mois. Nous avons donc en vous ce choix amoureux, ce désir d'aller au-delà de quelque chose, de choisir une voie royale en amour et en même temps, vraiment, mais alors, mais... une énergie du diable pour faire ça, parce que lui, il est vraiment inspiré du divin. Il y va, il fonce droit devant, il ne se pose aucune question. Votre objectif du mois, on a le 3 d'épée, comme tous les 3 de créativité, donc de réflexion, pour des mises en place. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, votre objectif, je vous l'ai dit, hein, vous réfléchissez pour une mise en place. Vous ne savez pas trop, il y a un peu d'hésitation. Alors, souvent, on dit que vous êtes le signe de l'hésitation. Non, c'est pas ça. C'est que vous ne savez pas trop vers quel plateau
vous voulez aller de la balance. Donc, en fait, si vous voulez, c'est une vraie réflexion. Et cette réflexion, cet objectif que vous avez d'augmenter amoureusement, relationnellement, donc quelque chose, on est quand même assez dans l'amour, eh bien, cet objectif est entouré du côté des efforts à faire d'un 4 de coupe et du côté des aides d'un 2 d'épée. Le 4 de coupe, dans les efforts à faire, c'est une carte de grande stabilité. Il n'y a pas plus stable que le 4 de coupe, évidemment, en amour. Fondement d'une famille, un enfant qui arrive, je vous l'ai dit, on concrétise par l'achat d'un bien. Donc, si c'est du côté des efforts, c'est que vous avez un effort de concrétisation sérieuse à faire. Parce que, à la fois, il semble que vous ayez envie d'aller plus loin, mais vous vous posez la question, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est bien intelligent avec cette personne? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est le bon moment d'entamer cette nouvelle route? Bon, il semblerait que les arcanes vous disent oui, hein. Mais enfin, allez, on continue. Le 2 d'épée du côté des aides, on est aussi sur une dualité. Qui j'ai en face de moi? Et justement, vous allez vous rendre compte que la personne qui est en face de vous est du côté des aides. Donc de l'aide, donc du support, du soutien. Donc c'est une bonne personne. Mais vous, vous vous posez la question, qui est en face de moi? Là encore, est-ce que c'est la bonne personne? Vous voyez qu'on revient un peu à la même réflexion. C'est normal à la fois, hein, c'est pas étonnant finalement. Engager sa vie sur quelque chose de sérieux, faire un enfant, acheter un bien en commun, emménager ensemble, se marier, voilà, c'est se paxer, ce n'est pas neutre. Votre, comment dire, la fin de mois, le résultat de votre mois, c'est le 8 de denier. Or, le 8 de denier parle d'un destin favorable. C'est une très belle carte, le 8 de denier. C'est une carte dans l'abondance. L'abondance de ce que je veux. Donc, on voit bien que, finalement, cette réflexion, voilà, vous êtes, ça va vous mener à l'abondance, c'est-à-dire à la réussite, en fait, en réalité. Alors, heureusement, on a un peu le côté professionnel, les activités, les finances, hein, parce que là, eh oui, bah, c'est comme ça, on ne décide pas. On est quand même très tourné sur l'amour, hein, je vous le dis, c'est un mot important pour vous à ce niveau-là. Alors, côté relationnel, financier, les activités, côté professionnel, les activités, vous voyez, j'ai tellement le relationnel en tête, le financier, la reine de bâton, vous êtes soutenu. Je ne sais pas ce que vous faites comme profession, évidemment, mais ça marche, vous êtes soutenu. Si des fois vous êtes en train de chercher un travail, alors franchement, logiquement, il devrait y avoir beaucoup d'actions et de votre part et d'un appel pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Je sais qu'on est en juillet, à la veille d'août, où tout est fermé. Enfin, pas tout, hein, malheureusement pour eux. Il y a quand même des personnes pour elles qui travaillent. Mais il y a beaucoup d'activités là. La reine de bâton, c'est vraiment une grande protection active. Donc, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Et voilà, on y arrive à ce fameux côté relationnel. Et nous avons un 9 de coupe. Un bonheur total. Un bonheur idéal au niveau relationnel, au niveau des sentiments, on ne peut pas dire autrement. Vous avez franchi les obstacles, vous avez fait votre choix. Donc ce mois de juillet, c'est vraiment un choix que vous faites, qui se fait, et vous surferez sur tous les domaines. En fait, ce choix va vous rendre très heureuse, très heureux. Au niveau professionnel, ça fonctionne, le problème n'est pas là. Donc, cette nouvelle route hein, qui s'ouvre à vous, que la vie vous envoie, bah oui, voilà, vous êtes sur des rails. Alors, on va quand même, vous me connaissez maintenant, hein, comment dire, zoomer sur ce fameux côté relationnel. Et on va voir un peu, on va essayer de donner quelques précisions quand même. Alors, en même temps, je vous rappelle que je propose des consultations privées, évidemment, en mon cabinet de Jean Lépin ou bien à distance, par visio ou par téléphone. J'insiste un petit peu sur la consultation à Jean Lépin du mois d'octobre parce que c'est maintenant que les rendez-vous se prennent. Et oui, déjà, ben, oui, ceux qui me connaissent savent que
C'est une grosse consultation, c'est la consultation de rentrée. Et en cadeau, puisqu'il y a toujours un cadeau en cabinet, eh bien, c'est les selles d'abondance et de protection qui sont valables évidemment toute l'année après dans votre maison. Alors, si vous avez envie d'un rendez-vous particulièrement porteur et vraiment fort, puissant, eh bien, appelez-moi pour votre rendez-vous en cabinet du mois d'octobre. Sinon, évidemment, eh bien, appelez-moi pour un autre type de consultation si vous en avez besoin ou si vous avez tout simplement envie de savoir ce qui vient vers vous. Allez, amis balance, au point de vue relationnel, donc on va préciser un peu les choses. Donc dans ce bonheur, hein, c'est un vrai bonheur, le 9 de coupe, c'est un vrai bonheur. On va voir un petit peu ce qu'on a. Ah, très bien. Roi de denier, 10 de coupe, roi de coupe, je ne sais plus quoi dire. Allez, roi de denier, l'abondance. Abondance financière, abondance matérielle, abondance d'action. Donc on voit bien que ce bonheur qui vous transporte, enfin, quand on aime, quand on est dans l'amour, c'est vrai, hein, on est heureux et on dirait que tout va bien. Et c'est vrai en plus. Donc là, il y a tout. Mais alors, il y a tout. C'est la totale. Hein ? On nage dans le bonheur. 10 de coupe, la plus forte carte en amour. Le 10 de coupe nous parle de fidélité, d'engagement, de bonheur familial, de bonheur amoureux, évidemment. Le 10, hein, la plus forte carte des mineurs, et le roi de coupe. Protection, sincérité, posture, droit dans ses bottes. Un amour qui est fidèle, un amour qui est vrai, un amour sur lequel on peut compter et avec lequel on peut faire de grandes choses. Allez, on recouvre un petit peu encore, pour voir ce qu'on a à nouveau. Pour compléter, roi de denier, 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, c'est vraiment, là encore, hein, elle fait référence aussi au 10 de coupe. On est sur des nouvelles opportunités à saisir, une nouvelle route. 10, c'est 1, en réalité, as d'épée. Alors les choses ne sont pas toujours simples, il y aura de la matérialité à poser, il y aura des événements à mettre en place, hein. C'est pas quand on emménage, quand on se marie, quand on a un enfant, qu'on prévoit d'avoir un enfant, quand on achète, enfin il y a toujours des choses à faire. Mais regardez, la tempérance, très grande communication dans cet amour-là, on communique, on parle, on partage, on échange. Et puis le 9 de bâton qui fait référence au 9 de coupe, les actions menées et bien menées qui servent la cause. Voilà. Alors, amis balance, c'est un très beau mois qui vous attend. Un mois où vous vous engagerez sur un chemin qui vous ouvrira à quelque chose de nouveau, de plus grand, d'un grand bonheur. Il faut quand même le dire. Hein. Alors, je vous le souhaite et je n'en doute pas en plus. Hein, et donc, si vous êtes vraiment dominante balance, de belles, très belles choses vous attendent en juillet. Un grand tournant, amoureusement, relationnellement. Oui, amoureusement, on peut le dire. Hein. Alors, quel est le conseil de l'oracle pour vous? Un petit peu la conclusion de tout cela. La fluidité. J'aime cette carte. Alors, cette carte vous parle de rivières sinueuses qui ont le temps de nourrir, enfin nourrir, d'arroser tout ce qu'elles traversent. Cette carte vous dit qu'il y a des moments pour s'accrocher au rivage et d'autres moments pour se laisser porter par le courant. Alors, cette carte parle de la vie. Cette carte vous dit, vas-y, tu es dans la bonne direction. Suis le courant, ne t'inquiète pas. Si tu dois t'arrêter, tu t'arrêteras. Si le courant doit t'emmener, il t'emmènera. Fais confiance en la vie et fais-toi confiance aussi, les deux. En fait, c'est vrai que cette carte de fluidité, c'est quand on se fait confiance et qu'on a confiance dans l'extérieur, c'est une évidence. Alors, c'est très beau. Ben voilà, ça se met en place, c'est fluide, ça coule de source, ça coule tout seul. La balance va bien s'équilibrer, ne vous inquiétez pas, amis balance. Tout ira bien pour vous, je pense. Et puis surtout, des projets neufs et de belles choses à venir. Après, vous verrez bien comment ça se met en place avec tout ce qu'il y a autour.
En tous les cas, je vous souhaite un beau départ dans tout ça, de belles avancées, de belles mises en place. Et puis, eh bien, à bientôt !